Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce sera Coolo Mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 9 de Fortnite saison 3 chapitre 3. Alors il faut savoir que les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h et le premier défi va vous demander d'obtenir du bouclier tout en dansant. Donc pour réaliser ce défi vous avez plusieurs solutions, soit vous venez ici sur le gameplay, donc à la cascade de la réalité, juste ici à la zone des champignons, vous avez des petits champignons comme ceci qui vous donnent du shield. Donc il y en a un peu partout, hein, normalement. Regardez, il y en a un là. Mais là, je suis pas encore trop dans la zone des champignons. Il n'y en a pas énormément quand même. Enfin, il n'y en a que deux par ici. Mais voilà, si vous trouvez un champignon comme ça, vous allez pouvoir réaliser le défi. Parce que tout simplement, quand vous allez sauter dessus, boum, regardez, ça va me donner du shield. Donc ça me donne 15 de shield. Donc ce que vous allez devoir faire en fait, c'est rebondir dessus et directement faire une danse. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de rebondir dessus et d'atterrir directement au-dessus pour atterrir plus rapidement et faire une danse. Voilà, comme ça, je gagne du shield tout en du shield tout en dansant. Donc en faisant une émote. Alors c'est pas tout parce que vous avez plusieurs solutions. Vous avez aussi des clombés. Donc les clombés c'est ceci. Vous allez pouvoir en trouver un peu partout sur la map de Fortnite. Il n'y en a pas énormément partout mais il y en a à quelques endroits. Donc pour vous aider à en trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements des clombés de Fortnite saison 3 chapitre 3. Donc vous vous rendez à l'un des emplacements. Les clombés sont sur des petits arbustes. Vous les récupérez. Et là ce que vous allez faire c'est tout simplement les consommer et puis faire une petite danse. Regardez, je gagne du shield, enfin, essayez d'en consommer un, hop, et vous en faites une danse directement. Et regardez, je gagne du shield tout en dansant, ok? Donc ça, c'est une solution avec les clombés. Après, vous pouvez le faire aussi avec des champignons. Donc quand vous lancez un arbuste de réalité, vous avez des champignons autour de l'arbuste, des champignons bleus comme ça, bleu clair. Ceux-là aussi, quand vous allez les manger, ça va vous donner du shield au fur et à mesure du temps que ça passe et vous faites une danse dès que vous avez mangé un champignon pour valider le défi. Ou alors si vous trouvez un bleuvage, un baril de bouclier, donc un baril de, enfin ce baril là, et ben là vous faites une danse tout en restant autour du baril et en obtenant du bouclier. Bien entendu, si vous êtes à 100% de bouclier, ça ne fonctionnera pas. Il faut bien sûr que ça vous donne du bouclier tout en dansant, tout en faisant une émote. Donc voilà, dès que vous aurez fait une émote en obtenant du bouclier en même temps qu'en faisant les mottes et qu'en dansant, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander d'infliger des dégâts aux adversaires en chevauchant un loup ou un sanglier. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre, attendez deux petites secondes, c'est de vous rendre juste ici à Shifty Shaft. Donc, on va sortir de l'enclos par contre. Juste ici à Shifty Shaft, vous avez un enclos avec deux sangliers. Donc si vous y allez en début de game, les sangliers ils seront obligatoirement. Donc ce que vous faites, c'est que vous sautez sur le dos d'un sanglier pour le chevaucher. Voilà. Et quand vous êtes sur le dos du sanglier, vous allez devoir infliger des dégâts aux adversaires. Alors ça, c'est une possibilité, c'est de venir à cet emplacement. Mais si vous voulez pas venir à cet emplacement, je vous affiche une image avec tous les emplacements des loups et des sangliers de Fortnite saison 3, chapitre 3. Donc voilà. Donc quand vous avez trouvé un loup ou un sanglier, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts à un adversaire. Vous allez devoir infliger 500 de dégâts aux adversaires. Donc logiquement, si vous êtes sur un sanglier et que vous infligez des dégâts à un loup, normalement, le loup est compris comme un adversaire, donc ça devrait fonctionner. Donc ce que vous faites, c'est que si vous croisez un loup, ben vous lui infligez des dégâts pour lui infliger 500 de dégâts et terminer le défi. Sinon, si ça ne fonctionne pas avec le loup, ce que vous faites, ben c'est que vous infligez des dégâts à un adversaire. Donc hop, vous trouvez un adversaire et ensuite, vous lui infligez des dégâts pour 500 de dégâts. Et dès que vous aurez infligé 500 de dégâts à l'adversaire, ben vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de collecter les graines des cosses de la réalité avant qu'elles ne s'arrêtent de rebondir. Donc pour réaliser ce défi, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des cosses de Fortnite saison 3 chapitre 3. Donc une cosse, c'est tout simplement ce que vous voyez juste ici. Donc là, regardez, je suis dans la ville au-dessus de Sleepy Sound. Donc regardez, là il y a une cosse, voilà, sur cette branche d'arbre.
Il y a une autre cosse sur la branche d'arbre là-bas. De toute façon, c'est toujours sur des branches d'arbre. Hein. Il y a une autre cosse qui est juste ici. Il y en a encore une autre là-bas, je crois. Bon, effectivement, il y en a encore une autre là-bas. Et ce que vous allez devoir faire, en fait, c'est de... Bon, attendez, je vais tuer ce mec-là. Il est où? Ok, voilà, c'est bon. Donc, ce que vous allez devoir faire, en fait, c'est de détruire la cosse. Donc, je vais vous montrer. Je pense que le mieux, c'est de s'approcher tout près de la cosse. Et de la détruire avec la pioche. Je crois que c'est le mieux à faire. Hop. Voilà. Je détruis la cosse. Et là, dès que je détruis la cosse, j'appuie sur carré pour essayer de choper les graines. Oh, c'est chaud quand même. C'est chaud. J'ai foiré. Donc là, en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est de récupérer 3 graines de cosse. Donc voilà, 3 graines de réalité avant qu'elles ne finissent de rebondir. Mais regardez, elle rebondit. Une fois, deux fois, et voilà, là elle est arrêtée de rebondir. Donc il faut absolument qu'elle soit toujours en apesanteur pour la récupérer, ok? Donc je pense que vous n'êtes même pas obligé d'aller jusqu'à la cosse, hein. Vous détruisez la branche, ça détruit la cosse. Alors, voilà, après vous essayez de choper les graines pendant qu'elles sont en hauteur. Donc là, je vais essayer de ne pas me rater. Ok, donc regardez, là il y en a une, je vais essayer de la choper, hop, en sautant, elle n'a pas réussi. Ok, une, je vais vite chercher la deuxième avant qu'elle touche le sol, deux, et la troisième, bah là, c'est mort. Donc il faudra, à mon avis, vous faudra au moins deux cosses pour réaliser le défi. Hein. Donc là, regardez, hop, je détruis la branche, et là, je vais récupérer les cosses avant qu'elle ne tombe par terre. Donc celle-là, c'est mort, elle va tomber par terre, dans ce moment, il ne manque plus qu'une. Donc je vais choper celle-là avant qu'elle ne touche le sol, hop, et voilà. Dès que vous aurez récupéré 3 graines de réalité avant qu'elles ne finissent de rebondir sur le sol, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de planter ou d'invoquer un arbuste de la réalité à plus de 30 mètres de vous-même, de votre emplacement. Donc ce que vous allez devoir faire déjà, c'est de trouver des graines de réalité. Donc les graines de réalité, elles se trouvent dans des cosses de réalité. Donc regardez, ça c'est une cosse de réalité. Donc pour vous aider à trouver des graines, je vous affiche une map avec tous les emplacements des cosses de réalité de Fortnite saison 3 chapitre 3. Donc quand vous voyez une cosse, ce que vous faites, c'est que vous détruisez la cosse, hein, soit en détruisant la branche ou soit en détruisant la cosse directement. Ensuite vous récupérez la petite graine qui est en train de voler comme ça. Donc on va attendre qu'elle atterrisse. Et quand vous avez cette graine, ce que vous allez devoir faire, c'est de la lancer. Donc vous allez la lancer, regardez, hop. Je lance la graine, hop, ça fait apparaître mon arbuste de réalité. Donc cet arbuste de réalité, vous allez devoir le lancer à 30 mètres de distance de vous-même. Donc pour réaliser ce défi, il va falloir prendre de la hauteur. Moi, ce que je vous conseille, en tous les cas, c'est de prendre de la hauteur. Il ne faudra pas forcément prendre énormément de hauteur, mais un minimum quand même. Donc là, je prends de la hauteur. Voilà, je vais juste ici. Et on va lancer la graine de réalité quelque part où je peux. Bon, là, évidemment, je ne peux pas. On va lancer de ce côté-là. Et on va lancer la graine le plus loin possible. Donc là, ça nous... Ah, voilà, là. Ok, là, c'est rouge, là, c'est bleu. On va la lancer, on va voir à combien de mètres elle se lance. En plus, elle glisse. Donc là, elle est à 30 mètres. Voilà, elle est parfaitement à 30 mètres. Donc si maintenant, vous êtes trop bas, vous montez, hein, vous essayez de monter sur une colline ou quoi. Hein, même sur le phare là-haut, vous montez sur le phare, c'est sûr, ça fonctionne. Hein. Le phare, il fait bien 30 mètres de hauteur. Donc plus vous allez être haut, plus ce sera facile de réaliser le défi. Donc là, je ne suis pas très très haut hein, quand même. Mais regardez, hop, je lance. Et là, ça fait combien de mètres? Ça fait 29 mètres. Donc là, je suis à 1 mètre, je suis à 1 mètre de moins. Donc ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment lancer à 30 mètres ou plus pour que le défi se valide. Donc au pire des cas, hein, vous allez près du phare ou vous allez à un endroit où il y a énormément de hauteur. Si vous êtes en mode construction, bah vous construisez une rampe jusqu'au ciel et vous lancez votre graine par terre. Et dès que vous aurez lancé votre graine à 30 mètres de distance de vous-même, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'ouvrir des coffres à Tilted Tower en une seule partie. Alors, pour réaliser ce défi, rien de très compliqué, vous vous rendez à Tilted Tower. Donc Tilted Tower qui est juste ici en plein milieu de la map, hein, tout le monde connaît. Donc quand vous êtes à Tilted Tower, ben, ce que vous allez devoir faire, c'est trouver 3 coffres et les ouvrir en une seule partie. Donc regardez, 1, 2 et 3 coffres, vous ouvrez le troisième coffre. Dès que vous aurez ouvert 3 coffres en une seule partie, très important, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses.
Ensuite, le prochain défi va vous demander de rebondir sur trois matelas de chute différents sans toucher le sol. Donc pour réaliser ce défi, j'ai deux solutions. Soit vous venez ici à l'emplacement où je suis, donc au sanctuaire, sur la plage. Là, vous allez voir qu'il y a des matelas de chute. Donc ça, pour moi, c'est compris comme matelas de chute. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez sauter sur ce matelas et ensuite vous sautez sur l'autre, le deuxième, et vous sautez sur le troisième. Donc quand vous aurez sauté sur les trois matelas différents, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors, si ça ne fonctionne pas avec ces matelas de chute, il faudra trouver les vrais matelas de chute qui sont disponibles depuis quelques jours, donc depuis 2 jours, je pense, qui sont ceux-ci. Donc, les matelas comme ça, vous allez pouvoir les trouver partout sur la map de Fortnite, posés au sol, et vous allez pouvoir aussi les trouver dans des coffres. Donc, quand vous avez trouvé des matelas de chute, ce que vous allez devoir faire, c'est de rebondir sur trois matelas différents. Donc, soit de vous placer un matelas comme ça, un matelas ici et un autre matelas là, et vous rebondissez dessus, ou tout simplement, vous allez sauter en regardant le sol. Donc, vous sautez une fois, vous appuyez sur X, ensuite vous réappuyez sur X, ensuite vous réappuyez sur X, et voilà, là j'ai sauté sur trois matelas différents. Parce que regardez, et ça s'est placé en hauteur. Si vraiment ça ne fonctionne pas quand vous les placez en hauteur, ben... attendez. Ben là, si ça ne fonctionne pas quand vous les placez en hauteur, l'un sur l'autre, ben vous les placez, donc vous sautez, vous mettez un matelas, vous allez un peu plus à gauche, vous mettez un autre matelas, vous allez un peu plus à gauche et vous remettez un autre matelas. Donc voilà, vous dispersez un peu les matelas pour pouvoir sauter sur les trois d'un coup. Mais sans toucher le sol, hein, très important, il faut sauter sur les trois matelas différents, trois matelas différents sans toucher le sol. Hein. Donc c'est pour ça, je pense que le défi fonctionnera avec ces matelas-là. Donc là, regardez, je saute, hop, je touche pas le sol, je vais sur le deuxième, je touche pas le sol, et je vais sur le troisième, et je touche pas le sol. Comme ça, je termine le défi et je débloque les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de maintenir un pistolet mitrailleur à charge au maximum pendant 3 secondes, puis infliger des dégâts à un adversaire. Donc pour réaliser ce défi, déjà, il vous faudra le pistolet mitrailleur à charge. Donc le pistolet mitrailleur à charge, c'est tout simplement celui-ci. Avec un... enfin voilà, vous pouvez le voir sur l'image à quoi il ressemble, enfin sur la vidéo. Donc quand vous avez ce pistolet à charge, il est bien marqué, un pistolet mitrailleur à charge. Quand vous avez ce pistolet mitrailleur à charge, ce que vous allez devoir faire, c'est maintenir la charge pendant 3 secondes. Donc là, vous visez et vous maintenez, ou vous n'êtes même pas obligé de viser, mais vous maintenez votre touche tirée pendant 3 secondes. Donc 1, 2, 3, il faut vraiment que toutes les cartouches soient rouges. Hein. Regardez, là, toutes mes cartouches sont rouges. Là, si je tire, hop. Voilà, ça tire toutes mes cartouches. Donc là, mes cartouches sont blanches. Donc vous ne comptez pas une seconde à partir de maintenant. Mais quand c'est tout, quand toutes les cartouches sont rouges, là vous comptez 3 secondes. Donc 1, 2, 3. Et là, vous allez devoir infliger des dégâts à un adversaire. Donc les adversaires, ça peut être un loup. Normalement, c'est compris comme un adversaire. Ça peut être un requin ou ça peut être tout simplement un adversaire. Ou même les agents... les agents de Star Wars, là, les Stormtroopers, si je me trompe pas, même eux, même Star Wars, enfin Darth Vader, même eux, ça fonctionne normalement le défi. Donc moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire apparaître un bot qui est censé être pour vous un adversaire. Donc regardez, vous voyez un adversaire, hop, on va dire qu'il est là. Vous prenez votre arme à charge, vous chargez votre arme pendant 3 secondes quand elle est au max. Donc voilà, là, elle est bien chargée au max. J'attends 3 secondes, 1, 2, 3, comptez pas trop vite quand même. Hein. Et dès qu'il est là, boum, vous infligez des dégâts à l'adversaire. Vous avez juste à le toucher une seule fois après avoir attendu 3 secondes avec votre pistolet à charge chargé au maximum pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, les deux prochains défis sont des défis de secours et le premier défi va vous demander d'obtenir du bouclier en une seule partie. Vous allez devoir obtenir 100 de boucliers en une seule partie. Donc le défi est très facile, mais j'ai une petite astuce à vous donner. Donc regardez maintenant, si vous venez ici, là où je suis exactement sur le gameplay, donc à côté de la cascade, juste ici. Si vous venez ici à cet emplacement, vous avez des champignons comme ça qui vous donnent 15 de shield à chaque fois que vous allez rebondir dessus. Donc regardez, je rebondis dessus, boum, ça va me donner 15 de shield. Donc là après, le champignon, il a plus d'énergie. Donc, il faut attendre que le champignon se recharge. Mais c'est pas grave parce que regardez, il y a d'autres champignons à d'autres emplacements. Donc, regardez, là en dessous, en bas, il y en a un. Donc, hop, ça fait 15 de plus. Ici, il y en a un autre. Ça fait 15 de plus. Et là, regardez, ce champignon-là est rechargé. Donc, je ressaute dessus. Voilà. Regardez, là, il y a un autre champignon. Hop, je saute dessus.
Voilà, maintenant je retourne sur le champignon qui était là. Normalement, il va se recharger dans pas longtemps. Voilà, boum, je vais sur l'autre champignon juste ici. On attend un peu, boum, et voilà, là je suis à 100% de points de bouclier en quelques secondes. Donc ça veut dire que si vous venez ici, vous allez pouvoir réaliser le défi très facilement et très rapidement. Ensuite, le dernier défi va vous demander d'enflammer des structures. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de venir juste ici sur le gameplay, donc voilà, à Greasy Groove. Vous allez trouver des bocals à lucioles. Donc pour moi, c'est la meilleure solution si vous voulez enflammer des choses, c'est avec des bocaux à lucioles. Donc pour vous aider à trouver des bocaux à lucioles, je vous affiche une map avec tous les emplacements des bocaux à lucioles de Fortnite saison 3, chapitre 3. Donc voilà, alors quand vous êtes à un emplacement, regardez, il y a des lucioles. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement les prendre comme ça, en appuyant sur carré pour les collecter. Voilà, donc vous collectez les lucioles, un maximum, hein. Vous collectez tout ce que vous pouvez. Hop, donc là j'ai 5 bocales, 5 bocaux. Ah, j'ai pas plus, ils sont là. Voilà, j'ai 6 bocaux. Donc après, il y en a peut-être un peu plus loin, hein, etc. Mais bon, 6 bocaux, ça devrait suffire pour enflammer 10 structures. Parce qu'en fait, même avec un bocal, normalement, vous avez assez, vous n'avez pas besoin de 6 bocaux, mais... Voilà, au cas où, essayez de prendre un maximum de bocaux et comme ça, vous allez réussir le défi très facilement. Donc, si vous avez été à l'emplacement que je vous ai montré sur le gameplay, donc à côté de Greasy Groove, rejoignez directement Greasy Groove pour réaliser le défi. Hein. Comme il y a des maisons juste à côté. Après, si vous êtes en mode construction, vous pouvez peut-être construire, créer des constructions, donc des structures, détruire vos propres structures pour valider le défi. Mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas à venir ici à Greasy Groove et vous allez lancer tout simplement vos bocals à lucioles sur des maisons qui sont en bois. Donc, on peut voir que là, c'est des lattes de bois. Vous lancez un bocal à lucioles. Voilà, vous en lancez un aussi. Bon, là, c'est moitié brique, moitié bois. Donc, ça va peut-être cramer qu'à moitié. Donc c'est incroyable, j'ai lancé le bocal à travers la fenêtre. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi, mais bon, voilà. Donc là, il y a une autre maison en bois. Hop, tout ce que vous voyez en bois, vous lancez. Hein. Normalement, avec un seul bocal, c'est suffisant. Là, j'en lance deux parce que ben, voilà, j'en ai six. Mais normalement, vous en lancez un seul bocal et regardez, la maison prend feu et ça détruit toutes les structures. Donc parce que c'est en feu, hein. Parce que c'est en bois. Hein. Parce que si c'est en brique, ça ne détruira pas les structures. Il vous faudra plusieurs bocals, beaucoup. Donc là, on va attendre. Ça détruira pas toute la maison, mais ça va détruire une bonne partie, regardez. Donc là, ça a détruit facilement 10 structures. Et regardez de l'autre côté, pareil, hein, la maison là, elle a flambé. Et l'autre maison là, pareil, elle a flambé. Donc voilà, dès que vous aurez flambé 10 structures, enflammé 10 structures avec vos bocaux à lucioles, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 9 de Fortnite saison 3, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwapQueenMec et ciao. Peace.